Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble avec nos petits fonds de pelote, vraiment des petits fonds avec des tout petits bouts de fil pour faire des jolis petits bracelets d'été. Voyez ici, j'en porte deux. Donc j'en ai fait un avec un fil rose, j'en ai fait un autre avec un fil plutôt on va dire couleur mentalo. Et franchement, je trouve que c'est super joli. Vous voyez, c'est un petit peu à la façon des bracelets brésiliens. Vous voyez, avec ici une attache à coulisse pour régler à la taille du poignet. Vous voyez, je trouve ça vraiment super mignon. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Pour faire ces petits bracelets, il vous faudra un crochet. Moi, j'ai pris du 4 mm. Une petite paire de ciseaux. Et bien sûr, trois fils de couleurs différentes. Donc moi, je les ai tous fait un peu dans le même style avec un fil blanc, un fil couleur écrue beige avec un petit fil doré à l'intérieur. Vous voyez? Et un fil de couleur. Donc là, comme j'ai dit, j'ai fait rose et couleur vert mentalo. Et pour le troisième, donc pour la vidéo, je vais prendre un petit fil jaune. Vous allez voir, c'est vraiment facile à réaliser, même si vous ne savez pas trop crocheter. C'est simplement des mailles chaînettes, vous voyez. Donc vous allez voir, c'est vraiment super facile à réaliser. Donc vous faites trois mailles chaînettes. Donc j'en ai déjà fait deux. Je vais faire la troisième avec vous. On laisse un peu de fil qui va nous servir pour faire la petite tresse pour ensuite fermer notre bracelet. Ensuite, on fait une boucle. On repasse le fil en dessous. Avec notre crochet, on prend le fil simplement qui se trouve au milieu et on tire. Vous voyez ici, on a fait un nœud. Maintenant, on prend le bon fil du bon côté et on va simplement faire des mailles en l'air. Donc, c'est-à-dire, on fait un jeté autour du crochet, on le passe dans la boucle, tout simplement. Un tour autour du crochet, on le passe dans la boucle. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Un tour autour du crochet, on passe dans la boucle. C'est la base du crochet. Donc, c'est facile à faire. Et moi, donc pour mon tour de poignet, que j'ai un poignet assez fort, je vais faire 30 mailles en l'air. Mais vous, si vous avez un poignet plus fin, je pense que 25 mailles devrait suffire. Après, de toute façon, on peut régler ici la taille. Donc, même si c'est un petit peu trop petit, il n'y a pas de problème. On garde de la marge ici avec les tresses. Donc, c'est parti. Moi, je vais faire mes 30 mailles en l'air. Ici, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je continue. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Quand vous avez fait votre bon nombre de mailles en l'air, on va couper le fil en prenant un petit peu de marge aussi pour faire la tresse. On tire sur le crochet et on serre. Et ça fait un nœud. Et voilà, j'ai fait donc ma troisième ficelle. Maintenant, quand vous avez effectué donc vos trois mailles chaînettes, on va simplement les relier ensemble. Donc on met bien ici, bord à bord, comme ça, hop, et on vient nouer les trois fils ensemble, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Vous pouvez même le faire faire à vos petites filles. Je pense qu'elles pourraient adorer se créer de jolis petits bracelets. Ici, pareil, on les met bord à bord. Même s'il y a un petit... Ici, vous voyez, j'ai une machinette qui est un petit peu plus longue. C'est pas gênant. Quand on va le porter, il sera juste un petit peu plus lâche. Et justement, c'est ce qui va faire la beauté de ce joli petit bracelet. Donc, là, on fait la même chose. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va faire nos petites tresses. Donc, c'est pour ça qu'on a trois fils. On va se servir justement de ces trois fils pour faire une jolie petite tresse. Donc, on fait quelques centimètres. Donc, si vous voulez plutôt
un petit peu plus long, vous faites plus long. Là, j'ai fait un peu plus court. C'est vrai qu'après, si c'est trop long, ça gêne un petit peu. Mais voilà, vous faites un peu comme vous voulez, hein. C'est toujours comme ça. C'est chacun fait à sa façon, comme il veut. Donc, on tresse les trois brins ensemble, tout simplement. On fait une jolie petite tresse. Alors j'aime bien mettre du blanc et des couleurs un petit peu pastel pour l'été. Je trouve que c'est vraiment super joli. En plus avec le petit fil doré qui se trouve dans ce fil-là, ça donne vraiment un super rendu. J'aime beaucoup. Donc je continue ma petite tresse. Je pense que tout le monde sait tresser, j'ai pas besoin de montrer en gros plan. Hein, c'est un fil, un coup à droite, un coup à gauche que l'on vient mettre au centre. Voilà, bon, je pense que ça devrait suffire. Hein, je compare avec mes autres bracelets, peut-être encore un petit peu. Voilà, ça devrait être bon. Donc, une fois que vous avez terminé votre tresse, on vient simplement nouer de la même façon les trois fils ensemble pour plus que ça bouge. Voilà, et on serre. On serre bien. Hop, vous voyez? Et je coupe ce qui dépasse. Ensuite, on vient faire une tresse de la même façon, de l'autre côté, avec les trois brins ici. Et on fait, bien sûr, de la même longueur que l'autre tresse. Voilà, j'ai terminé ma seconde tresse. Maintenant, on va faire donc la fermeture à coulisses, vous voyez, pour pouvoir régler. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on vient poser comme ça à plat notre bracelet. On va prendre un fil, donc la couleur que vous voulez. Moi aussi, j'ai pris blanc. Et on va simplement tourner quelques tours ici autour. Donc, on fait, je sais pas, par exemple, 4 tours. On essaie quand même de resserrer l'ensemble. 3, encore 1. Et 4. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. On essaie quand même de bien les serrer au centre. Voilà. Et on va nouer les deux fils ici ensemble, tout simplement. Vous voyez, vraiment rien de difficile là-dessus. On serre, mais pas trop, pour pouvoir quand même que ça coulisse, et on en fait un deuxième pour plus que ça bouge. Voilà. Et on coupe simplement les deux petits fils qui dépassent. Et voilà, on a terminé notre bracelet. Et vous voyez ici, hop, on peut coulisser le bracelet, on peut le resserrer. Vous voyez, hop, on va les resserrer. Donc je vais le mettre. Hop, on va changer un petit peu de poignée. On resserre tout simplement. Voyez, hop. Et voilà, on a un joli petit bracelet pour l'été. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire. Mais moi, je trouve que c'est vraiment super mignon. En plus, on peut l'assortir à sa tenue, à son vernis à ongles. C'est vraiment super beau. On peut faire avec plein de couleurs pour l'été. C'est vraiment super mignon. Donc là, celui-là, il est au milieu, le brillant. Là, il est plus au bout. Après, vous pouvez changer, le mettre plus à gauche. Vous voyez, c'est vraiment pas gênant. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez vous amuser comme ça avec plein de couleurs.
Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!